en ce moment avec le Covid-19. Michel Symes est sur tous les fronts tout comme Nagui. Parallèlement à ses consultations à l'hôpital Georges Pompidou, à Paris, le médecin le plus célèbre du PAF intervient sur les plateaux pour prodiguer les bons conseils. Alors que les Franquais sont en confinement, l'animateur de France Télévisions Nagui n'a jamais été aussi sollicité à l'antenne. N'en déplaise à Gilles Verdet et Mathieu Delormeau qui considèrent Michel Symes davantage comme une présentateur. Mais l'homme de 62 ans Michel Symes n'a pas que des ennemis sur le petit écran. Au fil des années, il a réussi à nouer une belle amitié avec Nagui. Et si Michel Symes et Nagui se disputent gentiment la place de l'animateur préféré des Franquais et se lancent quelques piques par Nodia Interpose, les deux animateurs stars de France sont inséparables. Ils partagent d'ailleurs une passion pour le foot. En 2018, le duo S était même en vol pour la Russie pour soutenir les Bleus lors de la Coupe du Monde. Dans les tribunes du stade de Moscou, l'animateur de « Ça ne sortira pas des ici » et celui de « N'oubliez pas les paroles » n'ont pas caché leur grande complicité. C'est bel et bien une révélation en rapport avec le football qui va faire grincer des dents les fans de Nagui. A poste cher by Nagui, Nagui, on deck 20, 2019 à 4h43 MPST Michel Symes embarquera dans le jet privé de Nagui pour assister, en Russie, au match France-Argentine de la Coupe du Monde. Anecdote qui aurait pu passer inaperçue sauf que le mari de Mélanie Page, est un fervent défenseur de l'environnement. Ce petit voyage en jet privé à Moscou n'a donc rien d'écolo. Pourtant Nagui ne cesse d'évoquer sa prise de conscience environnementale. N'hésite d'ailleurs pas à faire la morale à ses candidats dès qu'il en a l'occasion sur ses plateaux. Le devis qu'il ne s'applique visiblement pas. News People Nagui, cette incroyable révélation de Michel Symes qui chapitre 0.